Y a-t-il des personnes qui veulent le baptême aujourd'hui? Venez, vous qui voulez le baptême, venez. Bénissons le Seigneur pour vous. Venez. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, c'est beau. Oh. Oh, c'est ta fille? Ben viens, viens, viens. Alléluia. Viens, viens, viens. Oh, magnifique. Tu ne t'y attendais pas, hein? Est-ce que je peux? Elle me dit, j'ai peur. Je dis, Mangali, ça c'est toi qui vois. Je ne veux pas tousser, c'est toi qui vois. Elle me dit, elle a dit, je peux aller me baptiser. J'ai dit, c'est toi qui vois. Mais elle dit à son frère, allons, on va prendre le baptême. J'ai dit, son frère, ton frère, il est trop petit. Elle s'est avancée toute seule. Donc je dis, merci. Oh, alléluia. Alléluia. Waouh. Amen. Amen. Alléluia. C'est beau. Ah oui. Tu aimes Jésus? Oui. Amen. Wow. Dis-moi. Elle part avec sa Bible. Elle a une petite Bible illustrée. Oui, elle est dessus. Elle dit, maman, est-ce que je peux amener la Bible à l'école? Je dis, tu sais, à l'école, ils vont pas te comprendre. Elle a quand même amené la Bible en cachette. Elle a amené la Bible en cachette. Elle a commencé à parler à ses amis à l'école de la Bible, de la parole de Jésus. Et son maître, je crois qu'il l'a pas aimé. Elle est venue raconter à la maison, mon mari. Ça chauffait. Il n'était pas d'accord. Depuis ce jour-là, des fois, elle est hésitante de parler du Seigneur. Je lui dis, tu sais, c'est pas tout le monde qui adhère au Seigneur. Elle dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il y a plein de questions. Elle pose plein de questions. Waouh. Tu sais lire, hein? Oui. Je t'offre la mienne, là, tiens. Oh, ah. Jésus. Oh, mais c'est bon. Oh, c'est beau. Même si les autres ne veulent pas de Jésus, mais toi, continue. Amen. Tu vois, non? Tu seras au ciel avec nous, là, pour l'éternité. Amen. On va nager sur... Il y a des belles rivières. Rivières là-bas, là, il y a des fleuves. Oh là, avec de l'eau claire, limpide. Il y a des collines, il y a des... C'est beau, c'est magnifique. On va jouer avec des papillons énormes. Qui ont plusieurs couleurs. On va parler aux oiseaux. On va faire de l'équitation. On va faire... Il y a des chevaux, beaucoup de chevaux là-bas. Chacun de nous a un cheval tout blanc là-bas, selon la Bible. Alléluia. Ça va être magnifique. Elle a beaucoup de songes qu'elle voit, que je lui donne. Hein? Ouais. Alléluia. Waouh. 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 Ouais, c'est beau, c'est beau. Le Seigneur, c'est la confirmation de Joël 2. Hein? Gloire à Dieu. Tu veux dire un mot? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu pleures un peu là? Tu sais pourquoi? C'est vu que je suis un peu... Ému, hein? Oui. Ouais. Ouais. C'est normal. Wow. Nous revoilà avec une autre jeune sœur qui va se présenter premièrement. Bonjour, je m'appelle Magali, je suis âgée de 10 ans et je voulais vous dire que mon baptême a eu cause parce que je voulais suivre les pas que Jésus m'a déjà montré dans mes rêves. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée dont je me rappellerai tous les jours. Amen, à 10 ans, tu as pris ton baptême. Enfin, c'est... Amen. Ça fait longtemps que tu veux suivre Jésus, que tu as décidé... Oui, je veux suivre depuis longtemps, mais je suis un peu timide parce que mon père, il n'aime pas trop
qu'on parle de ça avec ma mère. Alors, en ce moment, j'en parle pas beaucoup, mais je le garde en secret. Amen. Donc déjà à 10 ans, on vit des combats, hein, c'est pas facile, mais amen. Je suis encouragée en tout cas de voir toi aussi jeune et persévérer pour le Seigneur malgré tout, quoi, malgré les combats. Et ça se passe comment à l'école ? À l'école, ça se passe très bien, mais comme a dit ma mère tout à l'heure, j'ai amené la Bible à l'école, mais je savais pas trop comment je pouvais faire, parce que je voulais amener la Bible pour montrer aux autres que je suis vraiment chrétienne, que je veux montrer ce que j'ai en moi de Jésus. Waouh, à 10 ans, t'as déjà le feu. Amen. Et donc, tu parles souvent de Jésus à l'école ? Non, parce que en ce moment, avec le maître, on parle de faut pas parler des religions parce que ça peut causer des disputes, alors j'en parle pas. Mais sinon, c'est que avec ma mère que j'en parle. Donc, tu le gardes dans ton cœur, dans tous les cas, et c'est vraiment encourageant en tout cas de te voir.